Assalamu alaikum wa rahmatoubarakatuh, marhaba bikoum, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer une super application pour les codeurs. Quand ils ne sont pas à la maison et qu'ils n'ont pas d'ordinateur sur la main et qu'ils veulent coder pour pas perdre la main. Quel jeu de mots de ouf! Oh là 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 là, je suis trop fort, mashallah. Non, je suis pas fort du tout. Bref, la voici, donc c'est des codeurs. Elle est en haut à votre gauche. J'appuie dessus. J'ai déjà mis un programme, tout simple, on appuie dessus. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'HTML, pardon. On a le CSS, on a le JS. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Waouh! Donc là, c'est le JS qui s'y met en action. Le JS, c'est JavaScript, c'est la même famille. Et ensuite, on a notre page web. Voilà. Donc là, pour créer un nouveau fichier, on va dans public, create a file, on choisit ce qu'on veut faire. Donc il y a tous les systèmes de langage, donc il y a tous les langages différents, il y a du Java, il y a du C++, c'est du Sharp, il y a du Python, il y a du JS, Node.js, il y a du Kotlin. Et je la trouve vraiment très très bien cette application. On met next, moi je le fais pas parce que j'en ai pas besoin, c'est juste une démonstration. Voilà. Si ça vous a plu, mettez des pouces bleus, laissez-moi un maximum de commentaires pour n'importe quelle question. Moi je suis qu'un débutant en programmation, je suis pas très très fort. J'apprends que le HTML, le CSS, le JavaScript et en orientation objet, le Java. Moi je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.